Hello tout le monde, comment allez-vous les amis? Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne Free 3.0. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement pouvoir comparer la taille des différents monstres qu'il y a dans Zoonomaly. Donc vous savez, Zoonomaly, j'ai fait tout le jeu entier sur Free 2.0. On a même d'ailleurs fait une vidéo dans la vraie vie sur cette chaîne Free 3.0. Et aujourd'hui, j'avais envie de voir un petit peu les comparaisons des tailles, parce que vous savez qu'il y a vraiment des tailles différentes. Il y en a des plus petits, il y en a des gigantesques. Et on va savoir eh bien, combien ils mesurent réellement. Donc c'est parti, let's go comparer tout ça, on y va. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs vidéos de ce type-là, donc j'en ai pris plusieurs qu'on va pouvoir visionner ensemble. Comme ça, on va voir si les tailles, c'est à chaque fois plus ou moins la même chose dans les différentes vidéos, ou si c'est complètement différent d'une vidéo à l'autre. Donc c'est parti. On commence par le petit ici, qui fait apparemment 50 cm. C'est une sorte de crapaud là, qui ressemble à Croipot dans Pokémon, à Tarpaud plutôt dans Pokémon. Et voilà, c'est une tête grenouille qui ne fait que 50 cm. Donc pas très grand, voilà. En même temps, ça se voyait dans le jeu que c'était pas très grand, on était plus grand. Qu'elle. Là, on a le singe. Vous savez, il y avait un enclos de singe. Ils étaient enragés de fou. 130 cm, donc 1 m30 pour le singe. Ça reste cohérent. En vrai de vrai, c'est vrai que c'est plus ou moins la taille que je dois donner si je devais estimer une taille pour le monkey. Ensuite, on a le gorille, mesdames, messieurs. Pour moi, c'est un gorille. N'hésitez pas à lire dans les coms, mais pour moi, c'était des gorilles 2 m 1. Ce qui fait que là, clairement, il est beaucoup plus grand que nous, le frérot. Et en plus d'être grand, il est vraiment balèze. Donc, il doit avoir une puissance des fous. 2 m 1 pour le gorille. Pour l'instant, c'est lui qui est plus grand. Mais je pense que c'est du plus petit au plus grand. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fameux lapin géant, lui, il était gigantesque. Il n'était pas si fort que ça. Honnêtement, le niveau était simple. Mais il mesure 334 cm. Je vais y arriver. Donc 3 mètres et 34 cm. Il est gigantesque. C'est-à-dire que le gorille était vraiment grand. Là, il est encore beaucoup plus grand pour le coup. Donc pour l'instant, la couronne revient pour le lapin géant. Est-ce qu'il y en a des plus grands? Oui, il y avait la girafe et tout. Là, on a une autruche, mais les autruches, elles étaient si grandes que ça. Je crois que les autruches, elles étaient plus petites. Donc là, tu vois, je pense que cette vidéo, c'est pas la plus logique, la plus cohérente par rapport aux monstres du jeu. Pour moi, ils étaient plus petits, eux. Hein. Mais 4m20 alors pour l'autruche. 4m20, c'est balèze quand même, c'est super grand. Ensuite, on a les sortes de lézards. Ouais, non, là, ils abusent, tu vois. Ils ont pas été cohérents avec les trucs du jeu. Le lézard, il est jamais aussi grand. Là, il mesure 7m20. C'est juste immense. Vraiment, c'est un dinosaure à ce stade-là. Ensuite, on a le koala. Pareil, lui, il était pas aussi grand qu'il mesure 10 mètres. Là, il mesure 10 mètres. On continue, du coup. La girafe sera la plus grande, je pense. Là, on a... Je sais pas trop ce que c'est, ça, comme type d'animal. 13 mètres, en tout cas, pour lui. Alors, c'est possible, parce qu'il y en a un qui était super grand. Il y avait les petits, et il y avait la version grandeur nature, j'ai envie de dire, immense. Donc, oui, là, 13 mètres pour celui-là, ça m'étonnerait pas. Et là, j'en ai d'autres en tête. Donc, il reste la girafe qui sera sûrement la plus grande. Et il y a lui aussi, c'est vrai. On est dans une forêt, on devait récupérer une carte, tout ça, je me rappelle, pour avoir la clé. 15 mètres 20. Pour lui, voilà, il est juste gigantesque, vraiment, il est terrifiant, lui, il fait super peur quand tu le vois dans le jeu. Et je pense que du coup, on va arriver vraiment au plus grand maintenant. On a le gardien qui, en temps normal, est assez grand, mais 19 mètres, il est plus petit quand même que lui, logiquement. Donc, c'est pas très logique, mais 19 mètres ici pour cette vidéo, ce qui le rend vraiment immense. C'est lui qui a la couronne pour l'instant du plus grand, mais il a été détrôné, mesdames, messieurs, par... C'est quoi ça? C'est un... Je vais dire un koala aussi, mais non. 25 mètres! En moyenne, pour lui, ça fait qu'il est, bah, il est immense. Vraiment, il est immense, mais il mesure pas comme ça dans le jeu. Ah oui, on a l'éléphant aussi. L'éléphant, quasi 35 mètres. C'est une zinzinerie tellement il est grand, celui-là. C'est impressionnant, comme dans le jeu, d'ailleurs. Là, on a la girafe. Donc, ça fait 38 mètres pour la girafe. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, 38 mètres. C'est juste énorme. Tu vois un truc de 38 mètres en face de toi, c'est limite un building, frérot. Hein. C'est un bâtiment que tu vois. Ok, ensuite, on a quoi d'autre? On a le poisson qui mesure 52 mètres. Donc vous imaginez, hein, 52 mètres de longueur, mais même en épaisseur, il est vraiment très 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 imposant. Donc clairement, ça en fait l'un des monstres les plus terrifiants, en tout cas pour cette vidéo-là. Et on a l'alien ici qui mesure 104 mètres. Donc là, on a commencé par une vidéo qui, en termes de cohérence, si on se fie au jeu, n'est pas si ouf. Franchement, c'est pas la meilleure. J'espère que les deux autres qu'on va visionner, parce qu'on a deux autres à regarder, j'espère que ce sera un petit peu plus cohérent. Parce que là, je vous avoue que je suis un peu frustré que ce soit pas vraiment les vraies tailles, pour le coup. Même si c'est pas vraiment les vraies tailles et que c'est des estimations, on est loin quand même des monstres du jeu, là. Vraiment, ça n'a rien à voir. Bah pourquoi? Mais celle-là m'a l'air plus cohérent. Allez, on a le lézard, 1m1. Tu vois, c'est plus cohérent. Le lézard, il a 4 pattes en plus, donc c'est pour ça que l'autre, là, il mesurait plusieurs mètres dans l'autre vidéo. Là, c'est cohérent, il fait quasi la taille d'un vélo. Ensuite, on a la petite grenouille, du coup, et on a comparé avec la taille d'un humain. Et on veut voir qu'il est assez petit, hein. Il mesure 1 mètre. Et oui, ils l'ont pas montré, celui-là. C'est vrai qu'il y avait les gros tas de morve. 1m63 pour le sort de gros tas de morve ici. Donc ça veut dire qu'il est quasi à la taille humaine.
mais en termes de largeur, il est vachement plus imposant. Ensuite, on a ces petits trucs-là, 1m85, donc c'est possible, hein, un humain peut clairement mesurer 1m85, c'est assez commun. Là, par contre, on arrive sur des tailles grand format, on a 2m10 pour le gorille, donc c'est plus ou moins comme la vidéo d'avant, il me semble. 2m10, quand t'es un être humain, il faut déjà être vraiment sacrément grand, mais il y en a qui mesurent 2m10. Ensuite, on a les singes, 2m43. Le singe, il me paraît un petit peu grand, hein. Je pense pas qu'ils étaient aussi grands. Dans le jeu, je pense pas. Ensuite, on a le 2m57 pour le sort de koala ici. Pour l'autruche, 3m56. Bon, allez, je vais bien accepter. L'alien, 3m88. Ça, c'est vrai. Il était vraiment très, très grand. Donc, lui, pour le coup, c'est logique. Et d'ailleurs, c'est logique qu'il soit plus grand que l'oiseau et tout le reste. Ensuite, on a le gardien. Mes gardiens sont très grands quand même. 4m50. Ça me semble cohérent. En termes de cohérence, on est, c'est vachement mieux que celle d'avant. Ensuite, on a la girafe. Le truc, c'est que là, ils l'ont mesuré avec la tête vers le bas. Mais peut-être que génétiquement, elle ne peut pas monter la tête vers le haut. Donc, c'est une girafe inversée, plus ou moins. Mais si sa tête était en l'air, elle gagnerait peut-être facilement 2 mètres, je pense. Ensuite, on a lui, 5m52, donc il fait quasi deux fois la hauteur d'un bus, ce qui est énorme hein, à échelle humaine. Un bus, c'est déjà super grand par rapport à nous. Alors, je vous laisse imaginer si t'avais ça en face de toi, comment ça rendrait. Ensuite, on a le lapin géant, là, le lapin crétin gigantesque qui mesure 7m13 ici. Après, on enchaîne avec l'éléphant qui est immense, qui mesure littéralement 8m50 quasi. Le poisson géant, regardez par rapport à une voiture. Là, il peut grailler au moins 10 voitures comme ça, rien qu'avec sa bouche. Il fait super peur, là. Alors, il fait lui combien, lui? Il fait 17m30. Ouais, il est vraiment, vraiment grand. Ensuite, on a lui qui est plus grand, mais en termes de largeur, il est vachement plus fin. 18m40 pour lui. Donc, il fait quasi 3 fois la hauteur d'un avion. Pareil, un avion, c'est déjà immense. Donc, je vous laisse imaginer la taille que ça peut donner. Et là, on a fini avec cette vidéo-là. Donc voilà, c'est une belle comparaison, je trouve. Au niveau des tailles, on est quand même sur quelque chose de cohérent. C'est pas mal. D'ailleurs, je vois qu'il a fait même des trucs poppy et tout. Si ça vous intéresserait, je vais y arriver, qu'on fasse ça avec aussi les autres univers qu'on apprécie. Bah, dites-moi ça dans les commentaires si vous aimez bien ce format. Mais là, on enchaîne directement sur une dernière vidéo, peut-être la plus cohérente de toutes. Mais pour l'instant, je valide plus la deuxième, contrairement à la première. Allez, hop. Du coup, on lance la petite grenouille. Ah ouais, là, ils mettent pas le... Ok, ils mesurent pas, en fait. Ils mettent juste les animaux qui sont plus grands, mais au moins, c'est logique. Tu vois, l'oiseau, par exemple, il est pas si grand que ça, au final. Le gros tas de morve, le singe est plus gros que le gros tas de morve. Je pense qu'il fait du plus petit au plus grand quand même. Ensuite, on a lui. Je pense que c'est les vrais modèles, pour le coup. Et c'est les vraies tailles, comme dans le jeu. Donc là, c'est cohérent. L'éléphant, ça en fait un des plus grands. Ensuite, il y a lui qui est plus grand en hauteur. Le lapin géant, qui est plus grand encore. Le gardien, plus fin, mais plus grand. L'alien ici, qui lui est très 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 grand. Ensuite, on enchaîne sur la version gigantesque de cet animal-là, je sais pas trop ce que c'est. Le poisson, hein, qui est vraiment grand, c'est juste qu'on s'en rend moins compte, parce que comme il est dans l'eau et qu'on le voit surtout de loin, on peut pas imaginer sa taille, mais il est vraiment très grand, hein. Ça en fait un top 3, je pense, des créatures les plus grandes. Et ensuite, on a lui. Ils ont montré la girafe? Je crois qu'ils ont même pas montré la girafe, ils l'ont montré au début. Ok, bah écoutez, du coup, en termes de cohérence, pour moi, c'est celle-là qui est la plus juste, même si on n'a pas eu des tailles. Et sinon, en deuxième position, c'est la deuxième vidéo. Et en troisième et dernière position, c'est la première vidéo qui est la moins cohérente concernant les tailles par rapport aux vrais monstres de Zoonomaly. Et sinon, bah écoutez les BG, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais un format comme ça. Du coup, si ça vous intéresse, on pourra peut-être en refaire pour d'autres univers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous me dites tout ça dans les coms. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez kiffé. Abonnez-vous, activez la cloche notif si vous voulez rien rater de toutes les vidéos qui vont arriver. Et sinon, bah, moi, je vous retiens pas plus. Prenez soin de vous d'ici là, les frites. Portez-vous bien. Ciao, ciao.